Assalamu alaikum. Voilà, là, je vous montre pour monter la Joaspi, la barque de Joaspi. Voilà, là j'ai mis un petit peu de l'huile ici pour faciliter le montage, pour pas abîmer le. Voilà, on graisse bien ici. Et on tient un petit peu l'huile ici. Ça, voilà. Voilà. Tranquille. Voilà. On la met en face. Allez doucement. Voilà. On va prendre un outillage pour monter le Joaspi. Voilà. On va mettre comme ça. On va bien mettre. Voilà ici. Regardez bien ici. Hein. Vous voyez, c'est la même dimension. Et on va taper tout doucement. Et voilà. Voilà, c'est propre. Voilà. C'est ça le montage du Joaspi. Ok, voilà, je vais vous montrer comment monter un Joaspi. Voilà, là, on va mettre un petit peu de la graisse. Ici, c'est important. Surtout là. Voilà, surtout ici. Hein. C'est important ça. Parce que des fois, quand on monte la. Comment ça s'appelle la journée, ouais. La butée, voilà, on met ici parce que ça, il faut que ça rentre et ça glisse bien, hein. Parce que pour si ça bloque ici, c'est il y aura un problème après sur l'embrayage, hein. Voilà, surtout ça c'est important. Ici aussi, il faut mettre la graisse, surtout là. Voilà, ça. Ici, c'est important, voilà. D'accord. Bon, là, j'ai monté la butée. Par contre, des fois, si vous tombez sur la butée, des fois, elle a du mal à rentrer ici. D'accord. Ça va se coincer ici. Voilà, ça arrive, des fois, si vous montez une butée sur 406, HDI 2 litres, c'est spécial. Hein. Si ça bloque ici, juste... Vous prenez un truc comme ça, une douille, et vous tapez tout doucement ici, voilà, et ça va pousser. Dès que ça rentre ici, c'est bon. Parce que ça enclenche avec la croche, et là, ça tient bien, voilà. Impeccable. Et voilà. Bon, je vous dis à la prochaine.